Nous arrivâmes à Ravensbrück un dimanche soir de la fin du mois d'octobre 1943. En quelques heures, nous eûmes la révélation brutale du camp, du bagne. Nous connûmes les expériences de vivisection sur des jeunes filles et nous vîmes ces jeunes filles elles-mêmes et leurs pauvres jambes martyrisées. Les histoires de transport noir, les exécutions isolées, les massacres en Syrie, les malades achevés, les coups, les chiens, les chambres à gaz. Et tout cela se présentant à nous simultanément par vision directe ou par témoignage innombrable, irréfutable. Dans le même bloc que nous, logeaient quelques Tchèques qui revenaient d'Auschwitz à voix basse raconter les horreurs qu'elles avaient vues. L'anéantissement systématique des Juifs par les gaz, les cadavres brûlés, les montagnes de cendres humaines. Et il y avait aussi quelques Juives qui attendaient leur départ pour Auschwitz, connaissant leur destin. Mais avant même toute précision, toute explication, une réalité nous avait assaillis de toutes parts. C'était l'état d'effroyable déchéance de la majorité des prisonnières. Hâves, déguenillées, squelettiques, couvertes de plaies suppurantes et de gales infectées. Et le regard, complètement atone, mort. Nous étions encore des êtres humains, avec des bases de comparaison pour mesurer cet abîme de misère dans lequel nous allions, évidemment, sombrer. Attention, à trois, on y va. Ici, ici. Un, dynamique. Deux, trois, dynamique, allez. Allez, on fait. Leur destin.
réalité nous avait assaillis de toutes parts. C'était l'état d'effroyable déchéance de la majorité des prisonnières. Ah, déguenillé, squelettique, couverte de blé suppurant, de gale infectée, et le regard complètement atone, mort. Nous étions encore des êtres humains, avec des bases de comparaison pour mesurer cet abîme de misère dans lequel nous allions évidemment sombrer. Par hasard d'un avion, je ne sais pas ce qui s'en suit, c'est peut-être pour ça que je suis ici. Tu menais une vie de patachon trois fois par jour, changeant de nom, apostillant sans permission. De fausses cartes et des cartons pour des gens sans situation. Mais tout allait de mal en pis, c'est peut-être pour ça que tu es ici. Elle menait au-delà des monts des petits garous et de ses bons. Fuyez les ordres de tonton pour ne pas faire de munitions. En partageant même sa ration de pain bis et de saucisson. Elle disait rien à son mari, c'est peut-être pour ça qu'elle est ici. Vous faisiez pour des polissons des quantités de commissions. Passiez vos meilleurs filons à des héros sans prétention. Ils faisaient sauter des camions, des pylônes et des stations. Un jour, le coup n'est pas parti, c'est pour ça que vous êtes ici. Nous avions de notre inventant sur un message de Londres. Nous fournissions nos gros canons, le maquis en révolution. De pâtes molles et de crayons qui faisaient sauter des tas de maisons. Nous nous disions, pas vu, pas pris, c'est peut-être pour ça que nous sommes ici. Et ta graisse encore servira. À quoi? À faire
faire du savon, agresser les locomotives. C'est sûr? Ah oui. Ah, tant pis. À Lupine, c'était les eaux qu'on récupérait. Ça dépend des endroits. Je n'aime pas non plus. Mais si je dois absolument choisir, je pense que je préférerais les eaux. Ça doit être moins salissant. Vous savez déjà que l'objet de ma conférence est l'étude approfondie d'une nouvelle espèce zoologique, celle des ferfugbars. Anatomiquement, on classe le ferfugbar parmi les animaux inférieurs. Signalons brièvement quelques-unes des innombrables contradictions de l'animal. Faible, débile, et pouvant à peine se traîner lui-même, il n'est employé qu'à des travaux de force. Bah ouais, on n'est pas des tafioles. Perpétuellement affamé, il n'a rien à se mettre sous la dent, et quand on lui propose une prime à la nourriture, il la refuse. Perpétuellement malade, il montre des signes d'une crainte panique à l'idée d'être soigné. Oh non, par pitié, pas si fort. Dans ces ténèbres brumeuses, la ressource principale de la misérable créature, c'est son esprit débrouillard qui va de la chipardise à la chaparderie. Le ferfugbar nourrit et même engraisse de nombreux parasites, dont les principaux sont les poux, les puces... Les morpions. Oui, les morpions également. Le ferfugbar adulte est d'une maigreur squelettique. Son corps est couvert de plaies et de pustules. Il a généralement les membres inférieurs enflés. Ah, mais on a de ses varices. Mais qu'est-ce que tu peux bien espérer? Tu n'es jamais contente de rien. Tu n'es jamais contente de rien. Non. Tu te plains sans arrêt de la vie que tu mènes ici. Oui. Et pourtant, tu n'as aucun effort à faire pour te libérer. Ah bon? Tu n'as qu'à te laisser aller. Quick! Mais ne la font guère avancer car elle remue beaucoup la terre, mais surtout sans la déplacer. La route est longue, 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 mais nous ne l'avons guère allongée. La route est dure, 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 mais nous voulons la faire durer. En travaillant des heures entières, nous n'avons cessé de penser à laisser quelque chose à faire pour celles qui vont nous remplacer. Après 6 nuits de veille,
Quand le dimanche matin, nous crevons de sommeil, un cri retentit qu'on connaît bien. Schnell! Los! Raus! En bas! Cette semaine, on ne dort plus. C'est l'ordre du commandant de faire le recensement de tous les cure-dents. Si vous tombez malade, elle vous suit comme un chien, inventant des brimades et vous traquant dans tous les coins. Ne vous asseyez pas par terre, ne vous abritez pas du vent. C'est l'ordre du commandant que les malades soient dans les courants d'air. Quand on travaille dehors, au retour, on est pressé. Au coin du corridor, devinez qui vous rencontrez. Kate, qui n'a rien à faire, vous crie d'un air de colère. C'est l'ordre du commandant que vous ne pissiez qu'une fois par an. Kate, qui toute la journée a joué les boxeurs, les ténors peu légers, se souvient le soir qu'elle a un cœur. Elle se lance avec ardeur à la recherche de l'âme sœur. Quand elle ne la trouve point, nous sommes sûrs de poser le lendemain. Elle est en peau de vache, c'est une vieille lâche. À la patine tient plus, à la sable étendue. Un pauvre fer Fugbar, piqué par la corvée, sous le fait du fardeau aussi bien que des ans, gémissant et courbé, marchait d'un pas pesant, en tâchant de gagner un bloc hospitalier ou d'aller au cabinet. Il pense à ses malheurs, il mesure sa misère. Pas de tartines le soir, midi, sans pommes de terre. L'appel des inodines toujours plus surveillés et l'accès du dortoir de mieux en mieux gardé. Ah, plutôt le Bétrib, dit-il dans un sanglot. Le Bétrib arriva, le saisit aussitôt. Le pauvre Fugbar eut beau montrer ses plaies, s'agiter en désespéré. Le Bétrib le tenait et le tenait si bien qu'il y fut dès le lendemain. Moralité! Ne cherchez pas les coups, ils viendront bien tout seuls. Inutile de courir, vous faire casser la gueule. Les grands murs alors disparaissent, mon pays m'apparaît soudain, sous son beau ciel plein de tendresse, ses baisers seront pour demain. C'est l'espoir que mon âme cache, défiant les monstres infernaux. Ils sourient quand leur voix se fâche, sous la cravache et sous le fouet, bondit plus haut. Un chant très doux plein d'allégresse monte de mon corps amaigri. Doux espoir, calme ma détresse, toujours pleine dans ce ciel gris. Les grands murs alors disparaissent.
encore une fois.